Donc j'ai déjà commencé à arracher les pieds qui se trouvaient dans mon premier bac et voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Vraiment, c'est vraiment faible. C'est vraiment pas grand chose. Sur trois pieds, j'ai obtenu ça. Donc je vais enlever le paillage là. On en a quelques-unes. Il suffit de les récolter. Peut-être celle-ci qui est vraiment minuscule, mais c'était un essai hein, sur. J'en avais fait l'année dernière en fait avec des cacahuètes bio. Ça avait bien marché. Donc sur celle-ci, bah on en a quand même quelques-unes, hein, c'est pas énorme. Mais je pense qu'avec la sécheresse, ça a contribué à minimiser les récoltes. Mais on a quelques cacahuètes, donc c'est toujours marrant de récupérer ça. Je vais voir s'il y a quelque chose là-dedans, mais ça paraît vraiment très petit. C'est vraiment minime. Je ne sais même pas si je vais récupérer en fait ce que j'ai planté pour obtenir ça. Donc je referai un essai l'année prochaine, mais avec des cacahuètes bio, parce que là je suis pas sûr que ça donne vraiment grand chose. Celui-ci, il n'y a absolument rien. Je suis assez déçu du résultat. On n'a rien non plus. C'est vraiment minuscule. Quelques-unes. C'est vraiment peanuts, hein. Tout ce qu'il y a de le dire. Pas toujours réussir, il faut essayer pour voir si ça fonctionne, mais voilà. Il y en a certaines qui sont un petit peu plus belles, mais bon, c'est pas non plus génial quoi. Là il n'y a absolument rien. Là il y en a un peu plus, voilà. On voit bien qu'elles sont attachées. Là aussi on en a encore. Voilà, donc ça c'était le dernier pied. Voilà. Donc, comme vous voyez, la récolte est vraiment très maigre. Donc là, je vais enlever tout le paillage, toutes les pieds de cacahuètes là, que je vais mettre sous mon abri à composter. Et donc je vais préparer la terre, je vais l'aérer un petit peu pour semer mon engrais vert. Et je vais aussi ramasser les tomates qui sont tombées là. Donc voilà. Et je vais enlever les pieds de piment qui ne donneront plus rien de toute façon. Donc voilà.